Il est 8h50, la revue de presse arrive. Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. On imagine que le président aura des mots particuliers pour eux dans un instant. Et pour tous ces métiers qui sont en première ligne dans cette prise de parole est, vous le savez, très attendue par tous les Français, avec le besoin aussi d'un horizon pour les semaines, pour les mois qui viennent. On suit donc cette déclaration, cette allocution. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. Le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Pour Jean Epstein, l'homme peut penser séparément l'espace et le temps. La machine cinématographique ne peut que représenter une synthèse indivisible d'espace et de temps. Au cœur de ce confinement qui se prolonge, le journal filmé agit comme un révélateur qui fait surgir la trace de cette synthèse que nous avons vécue au jour le jour sans même nous en rendre compte. Ah, bonjour. Ah ben bonjour, ben j'ai oublié de t'appeler, c'est moi qui devais t'appeler normalement. Non, mais c'est pas grave. Hein, hein? C'est pas grave. Ça va? Moi j'arrive juste, je suis allé acheter des légumes alors. Ben oui, attends, bouge pas une petite seconde. Hein. Voilà, ça y est, attends, je vais voir ta mère aller regarder la télé. Il fait beau chez vous? Oui, il fait du vent. Oui, ah. On a du mistral aujourd'hui, ça va. Bon. C'est supportable. Ah, ben nous, on a du vent d'est encore, là. Il fait froid. Ah, il fait froid? Ah oui. Ben, c'est le vent d'est oui, encore. Ben, là, c'est pareil, hein, mais comme il fait pas mal de soleil, ça réchauffe un peu. Thank you.
casque pour écouter de la bonne musique. Thank you.